porte ceci, Morgan von Breland. Et on se retrouve sur Death Bulge. Des gens sur le Discord officiel m'ont très aimablement indiqué où se trouvait ce putain de ressort. Il est en quelque sorte planqué. En ce qui me concerne, il est surtout planqué dans l'oubli, mais ça compte. Oula, non, je ne veux pas, je ne veux pas partir dans les ténèbres. Et je ne veux pas affronter les triangles des enfers. Non, c'est qui est le moteur. Ouais, fallait remonter jusque là. Jusque là, box, qui arrête pas de se téléporter. Vous vous souvenez quand on avait enfoncé ces portes là, qui avait 15 000 portes et que ça avait fait tomber un truc? Ouais. Oh là là, cette boîte est tombée, il y a un énorme ressort à l'intérieur. Voilà. C'était juste là. Bon, du coup, on va retourner voir Dak. Je suis pas là. Salut Dak. Les moteurs, les ressorts, la grosse botte, tout est là. Waouh, vous avez vraiment fait tout ça pour moi. Merci beaucoup. Et donc, vous allez faire quoi avec ça? Et un rapport avec le gros objet sous la bâche? Une seconde, je vais vous montrer. Ça va être l'abomination, il va la réactiver. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Merci de m'avoir aidé dans ma quête de vengeance! Oh! Une histoire de rétribution, comme c'est excitant. J'arrive même pas à faire la voix de Diane. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Oh! Une aventure de rétribution, comme c'est excitant! Et vous voulez vous venger de qui? Bah de nous, on lui a balancé une porte dans la gueule. Vous! J'en étais sûr, je le savais! Hein? Oh, une merde! J'arrive pas à croire que vous m'ayez vraiment aidé, bande de nazes! Vous avez assisté à votre propre destruction! Oh, quelle poésie juteuse! Machine fait entièrement en porte! Exactement! Les morceaux de nombreuses portes injustement oblitérées par des crétins amateurs de bottage comme vous. J'ai donné une nouvelle vie, alimentée par... principalement par le botteur que vous avez donné, hein. Mais aussi par ma colère infernale. Remarquez la férocité des portes qui vibrent de vengeance. Il est complètement... Merde, comment ça s'appelle les trucs qui tiennent les portes? Il fait un jeu de mots, brief un jeu de mots, au secours, c'est dur à traduire, non, oh non, oh la pause, oh non, oh le moment où Morgan ne fait rien, il est sur son téléphone et cherche des mots. Les... Putain, c'est les... Les gonds, c'est ça. Il est complètement sorti de ses gonds. Non, pas des boules, pas de ta gueule. Pars-toi, pars-toi! Une dose de tes morts. Il est complètement sorti de ses gonds! Pas plus sorti de ses gonds que toutes ces portes que toi et votre culte avez ruinées! Culte? Quel culte?
Ah, ne fais pas l'idiote. Enfin, fais pas semblant de pas savoir. J'avais rassemblé tout ça dans l'espoir d'éliminer le roi du bottage en personne. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a rencontré. Mais que ses successeurs apparaissent juste en face de moi, c'est tout aussi pratique. Ah oui, le roi du bottage, il était bizarre un peu. Il avait aussi l'air de penser à côté de ses successeurs, mais... Je me demande ce qui se passe si on fait cette suite de 400 avant de rencontrer le roi du bottage. Alors vous êtes vraiment ses successeurs. J'ai pas dit ça. Ah, ça va envoyer un bon message. Ça, c'est pour toutes les porte-beautés, pour tous les gonds brisés, pour toutes les poignées mal respectées. Pour toutes les poignées manquées de respect. Aujourd'hui, c'est l'heure de botter le cul des botteurs. Ah oui, combat de boss. Pam pam pam. Doudout. Des mesures de douleur améliorées. Me gusta. Merci Yann. Une comme ça pour protéger nos vitesses. Et un Twinkelfen. Ah oui, Kurt. Ouh. Rien. Et bon, déglingue jusqu'ici. Robin des boucs. Rien. Ça part déjà en orange. C'est tout? Comment on l'a défoncé? Ok, ok, vous avez gagné. T'es conscient que t'es en feu? C'est pas grave, j'ai un casque. Oh, quoi qu'il en soit, maintenant que vous m'avez battu, voici votre récompense, comme promis. De quoi tu parles? T'as jamais promis de récompense? Tu parlais que de vengeance. Faye, t'as pas l'intérêt de nous faire rater une affaire. Ça pourrait être la chance de notre vie. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre cette clé USB, la brancher sur l'ordinateur. De la porte juste à côté de celle-là. Oh oui, ça va réactiver le gros méchant, c'est ça le vrai boss. Ensuite, il faut juste suivre les instructions sur l'écran. La réserve secrète de Mutila, des grands trésors vous attendent. Oh, super. Ça a l'air génial, mais pourquoi il n'arrête pas de rire comme ça de manière suspecte? Très bonne question, et la réponse est on s'en fout. Trésor premium, j'arrive! Ça va tellement réactiver l'abomination qu'il y avait au fond du trou. C'est tellement ça le vrai boss, c'est pour ça qu'il était aussi facile, lui. Amusez-vous bien avec tout le trésor. Oui, j'ai hâte de m'amuser avec le trésor. L'ordinateur est allumé et est prêt à partir. Ça doit être l'ordi dont parlait Dak. Oui. Je mets la clé USB.
Ça rentre pas. Comment ça? Est-ce que vous voulez la mettre dans l'autre sens et la réessayer? Oui, et ça marchera toujours pas, faut le faire 3 fois. Ça rentre pas. Tu as retourné encore? Oui. Et ça rentre! Message préenregistré numéro 1. Quiconque trouve ces exécutables, ce que vous êtes sur le point de faire n'est pas recommandé. Headbang, si c'est toi, je veux que tu cliques le bouton annuler dans la fenêtre qui suit. Faisons bien sûr, appuie sur annuler. Oh là là, ça a l'air foireux! Ça, c'est vraiment ce qui nous mène au trésor, hein? T'as dit ce qu'il a dit, l'homme cramé! La réserve secrète! Activé. Projet pas fini. Confirmé. Je ne suis pas Headbang, je n'appuie pas sur annuler. Oh oui, viens à moi, boss secret! Casse-moi la gueule! Ah, c'était quoi ça? Le son d'un trésor! Message préenregistré numéro 2. Headbang, espèce d'abruti! Viens vite me trouver moi au Rona et pour qu'on éteigne ce truc! Headbang, quoi que tu fasses, ne t'approche pas de la zone 3 ou tu vas te faire tuer! Tuer? Voilà, ex-brief! Elle parlait à Headbang, pas à nous! Oh, quel soulagement! La zone 3, c'est pas la zone avec les fils de partout? Si, si. Toutes les zones ont des fils de partout! Cet endroit est juste un gros tas de câbles! Ouais, mais celle-là, c'est celle qu'on avait le plus! C'est pas genre le... la cabane à buisson ou un truc comme ça? C'est là qu'ils avaient cette horrible salle avec l'horrible trou! Est-ce qu'on vient juste d'activer? Est-ce que je crois qu'on a activé? Oui! 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 Nous avons activé la prestigieuse création trop dangereuse pour activer de l'utila! Oh! Je sens le défi! Mais cette salle fait super peur! Elle fera pas peur une fois qu'on aura détruit ce qui est en train de pourrir dedans! Ouais, j'imagine. Allez, on retrouve à la cabane à buisson. Ouais. Toutes les musiques de jeu sont si incroyables. Ah ouais. Wow. Zone 3. Alors par où c'est plus. Zone 5, pardon. Par où c'est plus rapide d'aller en zone 3. Alors sur la zone 4 j'imagine. Faut juste esquiver ces saloperies. Maintenant qu'on est suffisamment haut level et qu'il nous aggro plus, c'est tout de suite plus facile. Wow, on a fait lui rentrer dedans, lui. Ah, ça va encore être un truc super moche qui va me faire peur. Le mécanisme vrombit. S'approcher un tout petit peu plus, c'est une garantie de l'alerter de votre présence. Bop. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Mais oui! Y'aura pas de problème. Ça bouge! Eh ben, c'est pas beau à voir. Soyez prêts, l'équipe. Yeah. Alors, le vrai boss. Ce qui était prévu. Bon, on va protéger nos mesures.
et lui défoncer la gueule. Un H de l'extermination. Ah, c'est ça, la chance sur deux que ce soit extrêmement stylé, c'est la chance sur deux que ce soit des mesures améliorées, je vois. Robin des boucs. Ah. C'est une bombe. On va probablement se torcher avec ce truc. Genre comme ça. Bré. Allez, brief. Tu vas nous mettre une double protection. Presto. Ah oui, ça crit et ça crit. Ouais. On va faire ça. Prends-moi des bocs. Ah, merci, Gal. Nickel. Remix. Twinkle Thumb, Twinkle Thumb. Ooh. Mega Pop Slap. Ça fait que trop longtemps que tu as ce bonus. Disparaît. Ouh, j'adore cette animation, putain. Ouh, oui. Ah. Tiens, fait, il reprend un peu de hype. Prends une boisson énergisante. Ouh. Ah, je l'extermination. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'est pas fini! Ah, merde! Twang twang! Ils essaient de péter nos mesures. Ah non. Interdit. Pas de protection. Ferme votre tête. Hair Shredder. Elle a déjà sur sa table. Tous les adversaires. Ah ouais. On peut-être économiser. On va faire un remix plutôt. Écoute, tiens, lui, c'est lui qui va attaquer en premier. Twinkle Thump. Twinkle, twinkle, little star.
Il meurt. Twang Frenzy. Oh là là! L'étoile, trop facile. 32-64, un seul adversaire. Ce but est bien plus puissant face à des ennemis qui ont beaucoup de vie. Et fait même le double dégâts contre les. Contre des adversaires particulièrement rotors. Ah. Un beat anti-boss. Je crois qu'on a réussi. Ouais. Trop dur. Trop facile, plutôt. Une autre victoire glorieuse pour Team Bulge. Il y a qu'on peut enfin se tirer cette salle horrible. Ouais, allez, on se casse. Wouh. Je vais pas bouger. Merci. trop facile ces boss. Trop puissant ces modes. Beaucoup trop puissant. Faut juste esquiver ces trucs. J'ai tabassé deux boss secrets de suite. Mais ce qui me fait peur, c'est ces putains de triangles. Ah bah oui, il a bougé. Mais en vrai, le mode anti-boss, il m'intrigue. Ah oui, oui, c'est un beat légendaire. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Vous avez décliné l'offre de cette salle de... d'un repos éternel. Mais qu'est-ce que tu dirais d'un repos temporaire? Ouais. Allez, rempote-moi. Nickel. Yep. Alors. Et en vrai... L'épisode d'aujourd'hui sera un peu plus court que d'habitude. Enfin, ça, si vous avez regardé le... la durée de la vidéo, vous le savez déjà. C'est pas par là. Parce que j'ai des trucs à faire, tout simplement. C'est une chose qui arrive. Donc, on va pas tout de suite lancer la suite et aller voir Elblivion là. Aller voir l'Apocalypse. Mais on va retourner à la salle. Point, salut les nazes. Oh, on va peut-être leur dire, on a détruit votre abomination soi-disant trop puissante. Ah, quoi encore? Vous avez rien de mieux à faire? Vous pouvez gagner autant que vous voulez, hein. Vous êtes toujours des grands nazes. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Cul de bronze. Fat Pat contre Apocalypse. Haleine de squelette. D'accord, donc ils en ont rien à foutre. Quel dommage. Et on peut les parler, ça, on peut aller où? Vous êtes de retour? Parce que j'ai dit que... Non. Bon, et ben ils en ont rien à foutre. Quoi il tient d'ailleurs là? Ouais. Des modes. Ton livreur qui est toujours pas là. Chez Wallet. Level. Ah oui. Ah, je l'ai mis ça? Je l'ai mis. C'est pour ça qu'on gagne autant d'XP. C'est pour ça qu'on est aussi fort. J'ai littéralement mis un patch complètement OP qui augmente de moitié tout l'XP qu'on reçoit. C'était bien, mais je pense que je vais peut-être me mettre à la musique. Tu vas retourner à Bobstead? Non, pas encore, je vais juste aller rendre visite à quelques amis.
Ah ouais, des gens que je connais. Hein, mais c'est quoi toutes ces questions, hein? Va fou retourner ailleurs. Ok. Alors, l'observatoire. Ah oui, c'est vrai que l'observatoire, c'est dans la salle. Oh! Certes! Certains combras se contentent d'un corps musclé. Mais ils oublient toujours de muscler leur collerette. Ils ont oublié la voix du cobra. C'est vrai que sa collerette est très musculeuse. C'est important la collerette? Quoi? Mais évidemment! Tu connais rien en cobra? Les cobras utilisent leur collerette pour intimider. C'est pour ça que c'est moi le champion! J'avoue, il y a des abdos à un endroit où il n'y a même pas de muscles. Il est fort. Contrairement à tous ces autres nazes qui se traînent à la forêt du thon, du bois du thon. Si vous me demandez où est passé Splash, je crois qu'il est à Elblivion avec Iris et Rudy. C'est rare de... qu'il se passe autant de temps sans qu'aucun de ces trois-là soit ici. Et j'imagine qu'ils ont eu bien assez de d'échauffement avec tout ce trimballage d'équipement du matos Apocalypse. Beef Cliff. Quelle atmosphère fantastique. J'adore cet endroit. C'était bête de ma part d'hésiter autant à rentrer. Je devrais pas me sentir intimidé ou découragé par ceux qui ont atteint un tel niveau. Je devrais me sentir inspiré. Et je le suis. Nickel. Cool, parfait. Formidable. Donc rien ici. Je peux aller dans la grotte où il y avait la famille de Kakwak. Ouh. Oh, c'est un nid, c'est trop mignon. Salut Irina. Cette réunion de famille, c'est tellement chiant. La même histoire tous les ans. Pourquoi t'as pas encore un petit Tommy, un petit ami? Quand est-ce que tu vas avoir un vrai travail? Et tout ça. Ah, jure. Si grand-oncle Ed me raconte encore une fois qu'il se souvient de l'époque où j'étais plus petite, je remets ses écouteurs. Je vais les traîner avec Gloomy à la cyberjungle, mais non. T'as pas le droit de partir? Et me retaper une longue leçon sur le fait d'avoir des amis qui sont pas des canards? Non merci. Il faut vraiment que papa repasse un peu les rides de son bec et vive avec son temps. Il a suffisamment râlé. Il a suffisamment râlé comme ça avec le fait que mon frangin traîne avec le pingouin. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre chose? Et maintenant que vous êtes là, il y a enfin quelqu'un avec qui je peux parler de trucs intéressants. Je vais en tirer avantage. Alors, comment ça se passe, la collectionnite de rythme? Je vais voir combien t'en as. 1, 2, 3... 20! Tu en as 20! Et bah, tu commences à avoir une bibliothèque de sons assez solide. Tu fais ça juste parce que tu adores les rythmes ou c'est pour m'impressionner? Dans les deux cas, ça va, hein. Avec tous ces rythmes entassés, peut-être qu'il est temps que je te laisse voir un peu de mon matos secret. J'ai le sentiment que ça pourrait t'intéresser. Oh, Remix Fail, Remix Tian. Ah, c'est pour débloquer la classe pour les deux autres. Bah écoute, oui, je vais les prendre. Je peux pas les équiper, mais je vais les prendre. Yes. Eh, mais qu'est-ce que c'est que je demande là, hein? Hey, y a toute la famille distante là, qui je t'amène là, qui se parle, hein, qui veut me serrer les bottes pour que je les mette dans le testament, hein. Eh ben fais-moi une faveur. Vous allez avoir rien du tout, remonter sur votre vélo. Hein? Non, on se balade, c'est tout. Oh. Ah bah allez-y alors, vous pouvez vous asseoir.
Allez, participez un peu au puzzle là, j'ai déjà commencé. Peut-être plus tard, là on n'a pas le temps. Et quand vous voulez. Allez-y alors, au trot. aide le fou, aide l'énervé. Oui, mais ça fait plaisir de revoir la famille. Je suis encore ami, t'es encore la taille d'un œuf. Je sais pas si j'ai encore déjà rencontré, mais je m'assurais de lui en parler avant de partir. Ne t'inquiète pas, personne ne regarde. Ouh. Ne t'inquiète pas, personne ne regarde, d'accord. Pim, il m'applique une mesure de piaf à la barre du joueur. Tant que c'est présent, un esprit compagnon sera invoqué. Et c'est... Ah, c'est un compagnon qui soigne. Non, je préfère largement ma sèche. Salut, Musky. Et il est parti avec ce foutu pingouin, pas vrai? J'ai pas arrêté de lui dire encore et encore. Éloigne-toi de ce pingouin. S'il t'apportera que des ennuis. Est-ce qu'il écoute? Non. Dégagez. Vous êtes pas les bienvenus ici. Ah, mais calme-toi, papa. Ah, mais c'est bon, moi, j'ai défoncé votre commode, j'ai piqué votre matos, j'ai volé l'esprit de votre ancêtre ou je ne sais quoi, je me casse. Ok, bon. Et bah, nous, on va se laisser là. On va aller voir... ça sauvegarde automatiquement quand on... Non. On va utiliser le... Ça, parce que ça temps de chargement et ça sauvegarde. Donc on va se laisser là. Je vous dis au revoir à tous. Et à la prochaine.